là pour un petit haul maillot de bain parce que c'est bientôt les vacances en fait. Et il y a le site Zaful qui est un site chinois je crois, qui m'a envoyé grave des maillots de bain. Donc je vais vous donner mon opinion honnête. Je vais pas mentir, vous dire que tout est beau, tout rose parce qu'on me les a envoyés. Non, parce que il y a des choses qui me plaisent, mais aussi beaucoup de choses qui me plaisent pas, comme à chaque fois qu'on commande avec les sites chinois de toute façon. Donc c'est parti. Donc on va commencer par mon préféré. C'est celui-là. Bien sûr, je ne vais pas les essayer. Ne pensez pas que je vais les essayer. Ce n'est pas un try-on, c'est juste un haul où je vous montre parce que je vais pas montrer à mon petit. Mon petit. Ma petite. Vous voyez tout ça quoi sur internet, genre non. Mais bon, celui-là, il est juste trop beau. Genre, il est orange comme ça. Et c'est ouvert sur les côtés. Et genre, je trouve ça trop beau. Et le haut, c'est pareil. Il est comme ça. Et derrière, il est comme ça. Non, mais celui-là, il est trop beau. Genre, quand je l'ai vu sur le site, j'ai dit, je suis obligée de l'acheter. Je suis obligée de l'acheter ou pas? Je suis obligée de l'acheter. Donc, du coup, sincèrement, celui-là, il me va parfaitement. C'est le seul qui me va parfaitement. C'est le seul où il y a zéro problème sur la taille. C'est le seul où il n'y a rien à dire. La qualité, elle est bien. Tout est bien, ça fait pas cheap, ça fait vraiment grande marque, je trouve. À part, vous voyez, les coutures là, bon, je trouve qu'elles auraient pu être. J'aurais aimé qu'on les voit pas, genre j'aurais aimé qu'on voit que du blanc et du noir là, et qu'il n'y ait pas les coutures orange, mais c'est moi qui est obsédée par les détails. Mais sinon, celui-là, il est vraiment au top, et c'est le mieux, genre c'est le mieux. Alors ensuite, il y a celui-ci. Donc celui-là, c'est un maillot de bain qui est dépareillé. Et alors celui-là, ça va pas du tout. Genre ça va pas du tout. La culotte, elle est trop petite. Parce qu'on a peut-être pas l'impression, mais en fait les culottes, je sais pas comment elles sont taillées, mais elles vont être par exemple trop grandes de là, trop petites de là. Donc si vous avez des grosses fesses comme moi, c'est pas la peine. C'est inutile. Sincèrement, prenez vraiment la taille au-dessus. Parce que moi, en fait, j'ai voulu faire la meuf qui prend que du M. Sauf qu'en fait, j'aurais dû prendre que du L. Parce que sur les sites chinois, on sait qu'il faut toujours commander au moins 4 ou 3 tailles au-dessus. Hein, parce qu'on les connaît. Mais genre... Sinon, à part ça, en fait, c'est des beaux modèles. Mais après, quand c'est sur vous, c'est pas bien. Genre celui-là, sur la photo, il avait l'air super beau. Mais quand je le mets, les bretelles sont trop grandes. Là, c'est trop grand, c'est pas assez bien ajusté. C'est à dire que ça baille parce que moi j'ai pas de sein. Donc, ouais. Voilà. Mais sinon, à part ça, vraiment, en fait, c'est des beaux modèles. Faut juste que vous fassiez attention aux tailles que vous prenez. Genre, prenez 2 ou 3 tailles au-dessus, vraiment. Genre, moi je fais du M. J'ai pris du M. Alors, déjà, moi-même, je suis bête. Je viens de réaliser que je suis hyper bête. J'aurais dû prendre du L partout, mais en fait le problème c'est que je me disais, bah si je prends du L, vu que j'ai pas des gros seins, ça va peut-être être trop gros au niveau des seins. Du coup j'ai pris du M et je me retrouve avec des culottes trop petites et des soutiens-gorge trop grands. Donc voilà. Mais je vais essayer de rafistoler avec mon fil et mes aiguilles. Si je regarde en bas, excusez-moi, c'est parce qu'en fait j'ai un écran qui me reflète en bas et j'arrête pas de me regarder, mais il faut que j'arrête. C'est une mauvaise habitude et vous me l'avez dit, je le sais, j'arrête. Donc voilà, ouais, celui-là, no. Genre, la culotte, no. Ensuite, celui-là, celui-là c'est un de mes préférés, genre il est trop beau. C'est un maillot de bain brodé en fait. Et là, vous devez vous dire, mais Yannissa, tu vas porter ça? Bah, sincèrement, en vacances, en maillot de bain avec un petit short de bain, c'est hyper beau. Parce que bon, là, c'est un petit peu trop ouvert, un petit peu trop révélateur à mon goût. Mais si vous le mettez avec un petit short ou si vous avez envie de tout dévoiler, hein, c'est votre problème. Mais non, sincèrement, celui-là, il est trop beau. Genre, on dirait les maillots de bain, vous savez, des meufs, des clips, là. Genre trop beau. Ouais, celui-là il a pas vraiment de défaut, surtout que en fait il y a un petit truc dans le soutien là,
c'est rembourré un petit peu sur les côtés. Donc comme ça, vous avez un cœur beau, quoi. Parce que si vous n'avez pas de sang comme moi, si vous êtes des planchards passés comme moi, la team œuf au plat, on est là ou quoi? Hashtag team œuf au plat. Mettez tout ça dans les commentaires parce que c'est team œuf au plat. Ouais, vaut mieux avoir des petits rembourrages sur le soutien-gorge du maillot de bain parce que c'est plutôt pas mal. J'en ai pris un. Et en fait, je pensais pas qu'il allait être comme ça. Je sais pas pourquoi sur la photo il était pas comme ça. Genre, j'ai pris ça, mais pour moi, on dirait un maillot de bain de maman. Genre, je sais pas comment expliquer la forme. Sur moi, quand je le mets, on dirait un maillot de bain de maman. Et toujours le même problème, les culottes. Les culottes, elles sont même pas stretch. Non, mais regardez. Là, c'est normal sans que je tire. Et là, quand je tire, il y a aucune différence. Aucune. Normalement, les vêtements, c'est pour être stretch. Mais celui-là, je peux même pas le mettre. J'ai même pas essayé, je peux même pas le mettre. Donc je sais même pas ce que je vais en faire. Ils m'ont envoyé des maillots de bain. Sincèrement, la plupart des culottes ne me vont pas. Et le haut, bah, trop grand. Trop grand. Trop grand. Regardez. Ah non, en fait, peut-être que ça va aller. Ah non, trop petit en fait. Oh putain. Trop petit, regardez. Je peux même pas l'attacher derrière. Là, j'ai pas de soutien dans le chou, mon t-shirt. Hein. Donc. Ah ouais! C'est la révélation en direct là! Wouh! Trop petit? Purée, pour une fois qu'il y a un truc trop petit pour mes seins. D'habitude, je suis toujours trop grand. Mais ouais. Bon. Bah écoutez, trop petit. On l'a vu en direct. Je pensais que ça allait être trop grand, mais en fait. Ah, trop petit. Ok, bon bah un de moins. Alors ensuite, celui-là. Eh, trop beau. Alors attendez. Regardez, les motifs, la qualité, la culotte, tout est bien. Regardez. Moi la grosse, ça se stretch comme never. C'est-à-dire que je peux même manger des tacos sur la plage. Je suis bien. Et le haut, il est juste trop beau, genre je peux même le mettre avec un petit truc taille haute et tout parce qu'on dirait un crop top. La qualité, elle est juste ouf, genre c'est pas la même chose que les autres maillots de bain. Je sais pas comment expliquer, mais ça, on dirait la qualité des maillots de bain, genre même pas Zara et tout, genre vraiment maillot de bain de grande marque parce que la qualité, elle est juste trop bien. Celui-là, c'est un de mes préférés, il est trop beau, je vais vous mettre, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos et vous trouverez. Mais celui-là, sincèrement, je lui mets 10 sur 10, genre 10 sur 10, trop beau. Et la culotte, comme je vous ai dit, avec les petits détails sur les côtés, et elle est bien stretch, et voilà. Alors, celui-là, trop beau. Ensuite, alors, celui-là, quand je l'ai acheté, j'avais pas vu qu'il était comme ça. En fait, j'avais pas vu que c'était transparent. Genre là, je sais même pas si on peut voir maman ou pas. À travers, mais il est transparent et il y a juste ça qui couvre ce qu'il faut couvrir. Donc comment vous dire que je ne vais jamais le mettre? Comment vous expliquer? Je vais jamais le mettre parce que non, je sais pas comment expliquer en fait que ça, ça découvre trop et ça, ça couvre trop. Donc on dirait que le maillot de bain en fait il est genre mamie en dessous et Chouan en haut, genre je sais pas comment expliquer. Mais il est super beau. Mais je pourrais jamais porter ça. Never, genre. Mais il est trop beau. Mais non. Mais ouais. Mais non. Mais bon, il est beau quand même. Sincèrement, leurs maillots de bain ont tous une qualité de ouf. Genre moi j'aurais pensé que ça allait être super cheap comme c'est les sites chinois. Mais ils ont tous une qualité de ouf. Sincèrement, ça a beau être ric-rac au niveau des tailles et tout. Et ça, il faut qu'ils le règlent. Mais au niveau de la qualité, c'est des qualités de ouf, genre c'est pas de la merde. C'est pas du tout de la merde. Alors ensuite, les maillots de bain. Alors lui, aussi mon préféré. Genre depuis tard, je dis c'est mes préférés, mais parce qu'en fait ils font des trop beaux maillots de bain, regardez. Avec les cheveux sur les côtés et tu danses sur la plage. J'aime trop. Et en haut, il y a le haut. C'est encore un maillot de bain brodé, bien sûr. Il fait comme ça, regardez. Je suis trop pressée d'être en vacances.
il est juste trop beau avec des petites perles. Je sais pas si vous voyez les petits détails en perles dessus là. Celui-là, trop beau. Le seul hic, c'est que ça, je sais pas pourquoi, mais je sais que ça va se barrer. Parce que tous les trucs, dans les trucs chinois que j'ai acheté qui avaient des pompons, les pompons se sont toujours barrés au bout d'un moment. Surtout ça, à la mer et tout, ça va se barrer. Mais je vais en profiter tant qu'ils sont là. Après, comme pour les trois quarts des autres maillots de bain, la culotte est trop petite. Genre, elle est stretch au niveau de là. Mais en fait, je sais pas comment expliquer. Derrière, elle monte pas. Genre, si je me penche trop, bah, ça descend et on voit la lune. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est chiant. Parce que c'est là, je peux rentrer normal. Mais au niveau de derrière, ça monte pas assez. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je peux pas faire taille haute ou quoi. Enfin, après, on va pas faire taille haute avec un maillot de bain. Mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, ça va pas jusqu'en haut de ma raie des fesses. Genre. Voilà, c'est chiant mais bon, c'est pas grave, je vais le monter à fond, j'ai pas le choix parce que j'ai trop envie de le mettre, genre il est trop beau. Et je vais forcer et je vais le monter jusqu'à... Je vais... Mais ça va m'aller, vous inquiétez pas. Alors ensuite, celui-là, trop beau, j'aime trop les maillots de bain couleur nude. Et celui-là me va parfaitement, alors c'est un des seuls qui me va sans problème. Donc en bas c'est comme ça et vous avez les petites ouvertures sur les côtés. Et le haut... trop beau, genre, j'aime trop ce genre de maillot de bain. En fait, c'est le maillot de bain juste super simple, couleur nude, vous voyez, couleur nude, avec les petits détails et tout ce que j'aime. Genre, les maillots de bain qui sont juste tout simples comme ça, je trouve ça trop beau, trop magnifique. Genre. Voilà. Et la matière est super douce et tout simplement, c'est vraiment une qualité de ouf, genre c'est vraiment de la super bonne qualité, je suis pas déçue. Je pensais que j'allais recevoir des trucs de merde, hein, je le redis encore. Hein. Mais à part les problèmes de taille, la qualité, elle est trop bien, genre trop bien. Et ensuite, les deux derniers modèles, c'est les mêmes. Enfin, c'est les mêmes, en différentes couleurs. Donc c'est un petit bikini avec des petites fleurs, vous voyez ou pas? Des petits détails. Et là encore, c'est... Je sais pas pourquoi quand je vois des maillots de bain avec des petits pompons, j'ai cette musique dans la tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'entends, c'est... je sais pas, alors peut-être je suis folle. Mais trop beau, trop beau. Non mais... trop beau. Celui-là, le seul problème, c'est que moi j'ai déjà un petit pompon qui s'est barré. Là, il était là, et il s'est barré. Donc ça, je sais qu'ils vont se barrer un à un, malheureusement. C'est dommage, mais il faut s'y attendre. Sincèrement, il faut s'y attendre. La culotte, comment vous dire? C'est trop petit. C'est trop petit. Sur la culotte aussi, il y a une fleur qui s'est barrée. Vous voyez, celle-là aussi. Bah, celle-ci, elle va se barrer. Genre, elle chaque part en fil. Et la culotte, elle est juste trop petite. Genre, vous voyez ou pas? Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'il y a des gens sur cette terre qui ont des fesses. Genre, regardez. Ça, en gros, c'est pas élastique. Donc, ça monte pas. C'est pas possible. Et l'autre, c'est la même chose, sauf que c'est en noir avec des petites fleurs oranges. Oh, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Je préfère le blanc quand même, mais oh là là, regardez. Oh, regardez! C'est trop beau! Et celui-là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus grand, en fait, que l'autre. Vous voyez, les triangles sont un peu plus grands. Ils dépassent. Donc peut-être que la culotte est un peu plus grande aussi. Maybe! Je pense que ça va être la même. Ah, bah si. Elle est un peu plus grande en fait. Parce que c'est du combien ça? C'est du quoi? C'est du L? C'est du M aussi? Bah c'est deux M et pourtant... Bon, ça c'est un autre problème avec les sites chinois. C'est qu'il n'y a rien qui est pareil que l'autre. Mon avis final sur le site Zaful. Parce que là c'est bon, j'ai tout fait là. J'ai tout fait. Donc le site Zaful, sincèrement, pour la qualité... c'est juste super. Sincèrement, c'est des bons produits, des beaux modèles. Vous voyez les modèles de maillot de bain que vous allez voir par exemple sur Insta et vous allez dire mais où je peux trouver ça, il est trop beau et tout. Bah sincèrement sur ce site là il y aura tout. Parce que c'est vraiment un site qui est inspiré de tous les modèles qu'on peut trouver sur Instagram. Après le seul problème, c'est que je pense qu'ils se sont adaptés au corps de leur pays. Parce que les femmes en Chine, bah... après, il y a de tout partout, hein. Mais elles sont connues pour être beaucoup plus fines, beaucoup plus... pas minces, mais plus fines.
que par exemple bah, les filles comme moi, vous savez, hein, algériennes, camerounaises, je pouvais avoir que de la graisse partout, genre il n'y a pas d'autre solution, les hanches, tout. Donc c'est vrai que les culottes par exemple sont un petit peu trop petites, même beaucoup trop petites, il y en a qui passent même pas mes cuisses. Et sinon pour tout ce qui est de la qualité et des modèles, moi je donne vraiment une bonne note, donc sincèrement, il y en a quand même qui me vont. Après c'est vrai que moi j'ai été bête aussi, que j'aurais dû prendre la taille au-dessus, parce que c'est connu que sur les sites chinois, il faut prendre la taille au-dessus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était un petit haul, un petit unboxing en tout cas pour vous montrer tout ce que j'avais acheté en termes, enfin tout ce que j'avais acheté, tout ce qu'on m'a envoyé en termes de maillot de bain. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour le site The Fool. Et donc voilà, je vous fais des bisous mes bébés. Je vous aime.